HAU, c'est l'association des arts de la parole. Et donc, on invite des artistes qui portent une parole. Une parole sur le monde d'aujourd'hui, une parole subjective, une parole poétique, une parole, voilà, ils ont quelque chose à dire et ils le disent en général directement face au public, mais c'est aussi les arts de la parole mêlés aux arts de la scène, c'est-à-dire la danse. Cette année, il y a beaucoup de danse, mais aussi la performance ou bien même parfois le chant, voilà, comme ce qu'il y a aussi. Donc voilà, les arts de la parole, ça peut être tout ça, mais c'est aussi l'art de faire circuler la parole. Vous là-bas, derrière, est-ce que vous entendez bien? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Le syndicat d'initiative vous remercie d'être venu jusqu'ici pour voir ce spécimen d'une grande rareté, celle qu'on appelle dormeuse. L'installation photographique et sonore s'appelle L'œil de ma rivale et c'est un petit dictionnaire de pagne pour un futur voyageur en Afrique. Nous appelons la compagnie Ola. Ola est une compagnie d'art visuel qui rassemble des plasticiens, des musiciens, des photographes, des vidéastes que j'invite à m'accompagner selon les projets. Donc à chaque projet, l'équipe est différente. L'œil de ma rivale est une conception à trois artistes. Donc moi-même, je m'appelle Anne-Cécile Paredes, je suis photographe. J'ai été accompagnée par Sophie Fougy, qui est plasticienne et qui a réalisé l'ensemble des costumes et avec qui j'ai élaboré les mises en scène photographiques. Et Johan Mazet, qui est musicien, qui a écrit, composé et monté la pièce sonore que l'on peut entendre. L'œil de ma rivale, c'est vraiment une expérience de traduction. L'ensemble des choses que vous allez toucher, regarder, écouter, sont un fragment de traduction qui nous permettra à la fois de relire une tradition et de la relier au monde dans lequel on vit. Donc là, on s'est intéressé à cette pagne. Chaque pagne, le pagne, c'est un bout de tissu originaire d'un pays d'Afrique, de beaucoup de pays d'Afrique. Chacun de ces pagnes ont des symboles. Ces symboles ont une signification depuis toujours. Chaque fois qu'un pagne sort, il y a une designeuse d'origine d'un pays d'Afrique qui l'associe à une signification. L'œil de ma rivale, c'en est un. C'en est une, pardon. Si on porte l'œil de ma rivale, on dit « si tu t'approches de mon homme, femme, je te tue ». Il y en a un qui s'appelle Marie Capable et qui veut dire « mon mari est très, très puissant ». Donc nous, voyageurs, quand on achète un de ces tissus et qu'on se le transforme en rideau, peut-être qu'on est en train d'écrire à son voisin « Mon mari, il est très, très puissant. » On a appelé la Chahute, c'est le lieu où ça discute. Et cet endroit qui est au 72 rue des Forts, qui était mis à disposition par la ville et le centre d'animation Saint-Michel, cet endroit, c'est le lieu où on expose les réponses du président de la République aux lettres qui lui ont été adressées avant son élection. Donc on a récolté 348 lettres qui ont été envoyées après l'investiture du président actuel et en fait on attendait des réponses. Pour l'instant on ne les a pas reçues parce que l'Élysée n'est pas encore en ordre de marche finalement sur la manière de répondre, je pense que c'est en train de se construire. Et donc on a un mur avec 348 clous qui attendent une réponse. Donc ça permet de projeter en fait les réponses qu'on veut face à des lettres qui ont été écrites. Et puis face à ce mur d'attente, il y a un mur de paroles qui sont les paroles qu'on récolte dans la chahute. Où en fait, c'est un espace de réflexion sur la démocratie, sur les modèles de société et sur les utopies collectives. Et cette question des utopies, on va continuer à la travailler à Chahut. C'est vraiment un chantier qui m'intéresse particulièrement, comment on peut chacun à sa place se réapproprier l'avenir en fait, et ouvrir des chemins de possibles et se réunir, se concerter pour déjà parler, pour pouvoir peut-être agir sur le monde qui nous entoure. Donc on est vraiment dans ces questionnements-là avec cette édition de cette année.